Bonjour tout le monde, je m'appelle Véronique Lorquet, je suis ergothérapeute et certifiée TPI à la clinique Kinatech Sport Physio à Beauport. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la posture, puisque si on a des lacunes à ce niveau dès le départ, cela peut affecter l'efficacité de votre élan, mais aussi vous créer des blessures. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un test que vous pouvez faire à la maison et dans les autres capsules, je vais identifier et décortiquer chacune d'elles pour vous aider à aller chercher une position la plus efficace possible. Alors aujourd'hui, vous avez besoin d'un fer long. On va prendre la position de départ. Ensuite, vous allez garder la position et mettre votre bâton tout au long de la colonne vertébrale du sacrum à la tête. Première chose qu'on veut vérifier, c'est s'il y a un espace entre votre dos et le bâton. Si c'est le cas, ça veut dire que votre position est vraiment en S. La deuxième chose qu'on veut regarder, c'est si vous êtes capable d'aller chercher le bâton en arrière de votre tête. Si vous êtes incapable, ça veut dire que votre posture est davantage en C. L'idéal, c'est d'avoir le haut du corps vraiment redressé parce que c'est plus facile d'aller chercher le bâton et avoir une position vraiment plus neutre au niveau du bas du dos pour diminuer l'espace entre votre dos et le bâton. Alors, si vous avez des difficultés à faire ce mouvement, n'hésitez pas à aller voir un professionnel près de chez vous dans un Kinatech.